comme je viens de vous le dire, avec l'écrivain, en compagnie d'écrivain Ilaria Bellasri, qui est un invité fidèle de la Haie Rose. Yaya, tu étais président l'année dernière de ce salon. Invité d'honneur. Oh là, oui, donc je me souviens. Invité d'honneur de salon l'année dernière, si je me souviens bien. C'était l'année dernière. Où le thème général était femme. Comme je vous aime. Bah oui, je les aime aussi. Bah alors aujourd'hui, on ne va pas parler des femmes. On ne va pas parler non plus de tes romans. Il y en a trois déjà. Hein. Dois-je les rappeler? Donc, Le bus dans la ville. Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut. Et j'arrive jamais à retenir le titre. Une longue nuit d'absence. Pourtant, Dieu sait que je l'ai lu et retravaillé. J'arrive pas à retenir ce titre. Donc, ces trois romans disponibles aux éditions Vendailleurs, et je pense aussi en vente ici sur le salon. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dans la matinée commémorative, puisque, j'aime pas trop ce mot, mais on va en faire l'économie là, puisque Camus et Césaire donc, sont nés en 1913, donc la même année, et donc là on est dans la commémoration, donc évidemment, du centenaire de la naissance de Camus. Également en 2013, qui va arriver d'ailleurs très prochainement, puisque Camus est né en novembre. C'est ça. Donc autour de cet événement en France, il y a eu énormément d'initiatives qui ont été prises, entre autres colloques, une exposition mise en place par l'Institut français d'ailleurs, qui va commencer à circuler dans le monde entier, et qui est très, très intéressante, qui utilise une nouvelle technologie avec les flashcodes, etc., qui donne accès à d'autres documentations, etc. Donc, vos procédés. Et une publication, entre autres, parce qu'il y en a eu beaucoup, auquel Yaria a participé, ainsi qu'une vingtaine d'autres auteurs, dont j'en suis d'ailleurs, et j'en étais ravie, qui s'intitule « Pourquoi Camus ?». L'idée étant d'interroger... La pérennité et la postérité de l'œuvre de Camus dans les écrits d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a un certain nombre d'écrivains et de journalistes contemporains qui questionnent son œuvre. Donc, Yaria, vous y avez participé. Alors, vous n'avez pas abordé dans ce recueil la thématique de la Méditerranée à proprement parler, mais plutôt le lien avec l'Algérie. Votre communication dans ce recueil porte davantage sur le retour de Camus en Algérie, hein, pour reprendre l'expression chère à Benjamin Stora, et qui est finalement liée à la décennie noire, finalement, à l'événement de la décennie noire en Algérie, où là on a en quelque sorte réhabilité Camus dans son rapport donc à l'Algérie, puisque longtemps ce rapport avait été décrié du fait de sa non prise de position par rapport à la guerre d'indépendance. Et alors, je voudrais quand même faire le lien avec la discussion tout à l'heure avec Daniel Maximin, parce que on a l'impression que la Méditerranée et la Caraïbe sont très loin. Ben, mais non, c'est extraordinairement proche. Moi-même, j'ai été surpris de voir tous les rapports qu'il y a pu y avoir entre la Méditerranée et la Caraïbe, et puis en plus, particulièrement, entre la Caraïbe, la Martinique et l'Algérie. C'est quelque chose d'assez remarquable, et même au niveau de la littérature. Et précisément, Daniel Maximin a travaillé avec Christiane Chollet-Achaud sur cette question de la littérature des Caraïbes et de la Méditerranée, et comment il y a des passerelles. C'est étonnant. Donc, ne serait-ce que la figure, par exemple, de Frantz Fanon, qui est antillais, martiniquais, mais qui est algérien à 100 000%, excusez-moi. Oui, qui a pris part à la guerre d'indépendance. On a pris en Algérie, oui, 1000%. Donc voilà. Et je veux dire que. Et puis la Caraïbe, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques années, il y a 2 ans, et puis aussi, ça a été un bouleversement personnel très très fort. Tu es allé en Haïti. De rencontrer en Haïti, en Guadeloupe, et j'ai vu cette région, ça me parlait. J'avais l'impression d'être. De ne pas avoir changé de continent, d'être toujours dans quelque chose qui est mien, qui est à moi. Ceci dit, alors, Camus, donc, nous célébrons le centenaire aujourd'hui, il est parti très tôt, trop tôt, et à 47 ans, en 1960, il ne nous a pas tout livré, mais il a livré un certain nombre de choses. Et oui, j'avais envie de parler de Camus et de l'Algérie,
parce que c'est impossible de parler de Camus, de son œuvre, et oblitérer la terre algérienne. Absolument. Parce qu'elle est totalement présente dans toute son œuvre. Toute son œuvre est imprégnée de cette Algérie, et pas simplement Nos ou l'été à Tipaza, mais pas du tout. L'étranger, la peste, le premier homme, toute son œuvre est imprégnée de cette terre, est imprégnée de la sensibilité, des rapports qu'il a avec cette terre, et des rapports très forts, très charnels. Les plus beaux textes sur la terre algérienne ont été écrits jusqu'ici par Albert Camus, et il le reste encore. Donc, et ce qui m'intéressait sur cette question du retour symbolique de Camus en Algérie, c'est qu'après l'indépendance, Camus disparaît. Au bout d'un certain nombre de temps, il disparaît des programmes, il disparaît du débat politique, du débat philosophique et littéraire. Et puis voilà que la guerre civile algérienne dans les années 90 frappe ce pays, donc, et là, les Algériens découvrent Camus. C'est aussi, en même temps, rappelez-vous, le premier homme, le roman inachevé, a été édité en 1994. Donc c'est aussi, ça correspond à cette période de la guerre civile en Algérie. Et donc à ce moment-là, le premier homme où Camus va nous parler d'un peuple sans passé et sans avenir, les pieds noirs, et donc il y a quelque chose qui se révèle aux Algériens de l'ordre d'une mémoire enfuie, oubliée, et qu'on ne voulait pas donc investir. Et c'est comme ça que Camus va revenir et que les Algériens vont à nouveau l'interroger, et parce qu'ils veulent comprendre ce qui arrive. Or, et c'est à ce moment-là que, par exemple, des compagnies de théâtre s'emparent du théâtre de Camus et qu'il y a Les Justes qui est monté en Algérie par une compagnie algérienne. Vous imaginez, Les Justes, c'est cet homme à qui on confie le soin d'aller tuer le tsar, hein, et qui, voyant qu'il y a un enfant dans la voiture, ne veut pas tuer, ne veut pas tirer. Ça veut dire quoi? C'est rapport à cette question sur le terrorisme. Et le terrorisme algérien, les Algériens le vivaient. Donc c'est là qu'il revient. Et c'est là qu'a lieu, un peu au milieu des années 2000, le premier colloque sur Albert Camus en Algérie. Ça a été fait à Oran. Et un an après, en 2006, un deuxième colloque se fait à Alger sur Albert Camus. Et il y a tout un... Camus reprend toute sa place en Algérie, à l'université, dans les universités algériennes, au théâtre, puisqu'on le monte, et puis dans les colloques. Voilà. Le colloque s'intitulait « Albert Camus, l'Algérie et la Méditerranée ». Ben oui, absolument. Ouais. Parce que sur la Méditerranée, on va en parler, mais parce que ce colloque, c'est moi qui l'ai organisé. Vous le dites pardon. Pas, tu le dis pas. C'est grave. Non, tu ne le dis pas dans ton intervention. Non, donc, oui, parce qu'il s'agit d'interroger son rapport à l'Algérie, d'interroger cette question de la Méditerranée. Et donc, mais par la suite, il y a eu une. Camus a été totalement. A repris place entièrement, même en étant disputé, même en étant rejeté. Parce qu'une partie des intellectuels algériens continuent à rejeter Camus en disant qu'il n'a pas pris fait et cause pour l'indépendance algérienne. Ça, on pourra en discuter éventuellement. Oui, et puis, bon, je dirais que c'est un argument qui est peu nuancé et que. On s'aperçoit, si on lit cet ouvrage d'ailleurs, qu'il y a bien d'autres raisons et que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on avance. Mais bien entendu, de toute façon, il est mort en 1960. Hein, et ouais. Donc, on ne sait pas ce qu'il aurait dit par la suite. Mais ce qu'il a dit, à ce moment-là, dans les années 50, pendant la guerre d'Algérie, il a dit, et quand au moment où il s'est tué, où il n'a pas parlé, parce que Camus ne s'est jamais tué auparavant. Camus a toujours pris position, a dit des choses. Dans les années 30, quand il fait... Il est dans l'Algérie républicain. Voilà, dans l'Algérie républicain, tous les reportages sur la Kabylie. En 1939, quand il signe le manifeste des intellectuels pour l'émancipation des populations espagnoles, c'est en 1939, c'est-à-dire 9 ans seulement après le centenaire qui a été, la colonisation qui a été fêtée de manière très pompeuse. Hein. Mm-hmm. Et donc, il y a le courage de signer. Plus tard... Pour le projet Violette, il va demander, bien entendu, la nationalité pour les Algériens. Pour le 8 mai 45, il va dire que c'est inacceptable à chaque moment. Et quand il y a l'appel à la trêve civile, ben c'est Camus qui le fait, l'appel à la trêve civile à Alger. Et qui c'est qui assure sa protection? C'est le FNL. Dehors, quand il sort, les pieds noirs sont là, à mort Camus.
C'est extraordinaire cette histoire de Camus avec l'Algérie. C'est à mort Camus. Et ceux qui disent à mort Camus, on va les retrouver un peu plus tard, pas tous, mais une partie dans l'Oise. Merci pour ce rappel historique. Alors, bon, comme le thème de discussion, j'irai porter sur la Méditerranée. Alors, le point de départ, c'est... La Méditerranée qu'elle appelait ce continent liquide. Absolument. Solaire et liquide. Le point de départ, c'est qu'effectivement, pour reprendre les propos d'Hélène Ruffat, qui a participé aussi à ce collectif et qui a fait une communication sur... En Méditerranée, trajet mythique camusien, donc qui revient sur cet aspect. Hélène Ruffat dit « Chaque œuvre d'Albert Camus égrène les perles d'un fil méditerranéen persistant. » Très juste, oui, absolument. Donc, après, dans sa description, elle valorise effectivement l'omniprésence donc, de cette mer méditerranée dans l'ensemble de l'œuvre de Camus. Oui, Camus... Dans sa quête, dans ses interrogations philosophiques, cherche à poser les termes de ces interrogations avec la philosophie de l'absurde, avec la révolte. Et donc, nous avons un certain nombre de phases dans son œuvre qui est de l'émerveillement, de trucs métaphysiques, non, c'est l'été. Oui, ça, après, c'est le premier cycle. Absolument, le premier cycle. Après, nous sommes dans l'absurde. Oui. Après, nous sommes dans la révolte. Et chaque fois, chaque cycle correspond un roman, une pièce de théâtre, un essai. Oui. Toujours. C'est comme ça que procède Albert Camus. Mais et à un moment donné, il comprend qu'il faut, devant cet émiettement de la Méditerranée, devant ces problèmes nationalistes qui émergent un peu partout, il comprend que il y a une seule possibilité, peut-être, de fédérer tout le monde, c'est dans le cadre de cette civilisation méditerranéenne. Et c'est pour ça qu'il va faire appel à la civilisation grecque. D'ailleurs, son travail au niveau philosophique, il le fait sur Plotin. Il ne le fait pas sur un autre philosophe, c'est sur Plotin qui va travailler. Et donc, pour lui, la matrice, cette Méditerranée, doit renouer avec elle-même et renouer précisément avec l'héritage grec, fondamentalement. Donc, pourquoi ? C'est pour contrecarrer cet émiettement, ces communautarismes qui existent autour de la Méditerranée à ce moment-là. Elle ajoute « Les pays riverains de la Méditerranée constituent une zone de culture vivante » qui illustre cette rencontre unique dans l'histoire et la géographie née entre l'Orient et l'Occident. Alors vous imaginez, c'est le bassin où sont toutes les civilisations, depuis la Mésopotamie, en passant par les Phéniciens, les Grecs, les Berbères, la culture, l'Empire romain, tous, Byzance, tout est là. Toute cette matrice est là, et un bouillonnement extraordinaire, et c'est là que sont nées les religions, les trois religions du livre. C'est le creuset, alors il faut le voir d'ailleurs comme le creuset d'un universalisme finalement, puisque c'est pas. On a le sentiment qu'il ne revendique pas une forme de nationalisme méditerranéen, mais plutôt une sorte de véracité, d'une culture universelle, faite aussi de syncrétisme et de rencontre des peuples, puisqu'on est sur différentes régions, on est forcément sur différentes régions et différentes cultures. Autour. Oui, on peut faire le reproche à Camus quand il parle. Et Camus était un être de contradiction, de paradoxe comme tous les autres. On peut faire le reproche à Camus de ne pas avoir vu, par exemple, tout ce qui a été fait par la civilisation arabo-musulmane, notamment dans la transmission de l'héritage grec. Qui a été fait, tout l'héritage grec a été transmis à l'Europe on peut lui faire ce reproche, mais je pense que il n'a pas eu le temps d'aller plus loin, c'est vrai, de travailler. Il était plus dans la démarche de l'Antiquité, effectivement, lorsqu'il évoquait la Méditerranée et certains paysages, je pense notamment à Nos Atipaza ou dans l'été aussi, où il décrit certains sites. Oui, quand il est sur Tipaza, il est dans cette rencontre entre l'homme et la nature. Et ce texte sur Nos, sur Tipaza, avec le monde du chien noir, avec la mer, quand ils se rejoignent, on trouve aussi ça dans L'amour heureuse, hein, où le
personnage de que tu connais très bien s'exile à un moment donné. C'est une retraite pour lui qui est nécessaire, justement, près du mont Chéliman. Oui, c'est, pour lui, c'est représentatif de cette Méditerranée. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je le disais tout à l'heure, il a besoin d'aller en Grèce. Et quand il va en Grèce personnellement et qu'il est là, c'est, pour lui, c'est le choc fondamental. Pour lui, ça va le transformer et il va comprendre qu'ici pourrait se jouer l'avenir de ces peuples qui sont tout autour et qui se font la guerre depuis plusieurs millénaires. Parce que la Méditerranée, c'est des guerres depuis toujours, depuis plus de 2000 ans. Donc, je crois qu'il aurait pu peut-être, s'il avait eu le temps, aller un peu plus loin. Mais c'est là que naît aussi la pensée du midi. De midi, pardon. La pensée du midi, c'est le créateur. Absolument, c'est là donc, que se forge cette idée d'une possibilité pour l'homme de vivre en dehors de ces crispations, et de vivre en revendiquant l'héritage des anciens, pour lui les anciens c'est les Grecs, et de vivre dans ce continent en harmonie, mais de vivre ensemble dans ce continent. C'est là que se force sa pensée très très fortement. On a le sentiment qu'il y a deux éléments donc, qui contribuent à l'élaboration, entre guillemets, d'une forme d'identité méditerranéenne. Ce sont donc l'élément liquide, donc la mer, la Méditerranée, et le soleil avec son omniprésence, qui détermine évidemment donc certains modes de vie, certains. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière prégnante dans l'étranger, où le soleil se fait à la fois ennemi. Il est souvent décrit comme un élément brûlant. J'ai plus les citations en tête, mais il est vraiment décrit comme quelque chose d'accablant. Et par ailleurs, en contrepartie, l'aspect lénifiant de la mer Méditerranée, où d'ailleurs le jeune Meursault aime aller se ressourcer. Hein, et c'est aussi pour lui d'ailleurs le lieu de la rencontre également. Rencontre à la fois amoureuse et finalement aussi le lieu de la rencontre qui le mènera à sa perte, puisque c'est face à cette Méditerranée qu'il tuera donc, cet arabe aussi. Oui, Camus a des descriptions extraordinaires sur les corps nus, sur le bord de la mer, les jeunes. C'est une atmosphère de sensualité. Là. Absolument. Et oui, mais je crois que tu as tout dit sur cette question des corps de la Méditerranée et tout ça. Et sur le soleil, oui, le soleil, c'est ça. De toute façon, par exemple, si vous allez sur la terre algérienne, c'est ce qui est prégnant chez lui, c'est ce qu'il a vécu. Sur la terre algérienne, le soleil, on parle de lumière, tout ça, bien sûr, la lumière est extraordinaire. Mais c'est un soleil qui vous plombe, qui vous tue, ce soleil. C'est un soleil qui n'est pas. Moi, je l'appelle le soleil traître. Il est traître, ce soleil, parce que vous avez l'impression de toucher au bonheur, mais vous êtes dans la tragédie la plus absolue, totalement. Et c'est ça ce que ressort Camus. Et de toute façon, ce que disait Camus nous parle aujourd'hui, encore, sur cette terre algérienne qui a toujours vu des envahisseurs, des conquérants venir, et des populations venir de partout, même si elles n'étaient pas conquérantes ou qui n'ont pas envahi, mais à la force des choses sont arrivées. Toute l'histoire de cette terre est faite de rencontres, mais de rencontres très violentes, conflictuelles. Et ce que veut dire, à mon sens, quand je parle de soleil traître, c'est-à-dire qu'on a l'impression sur cette terre d'accéder au bonheur parce qu'il est disponible, on peut. Le soir, vous êtes dans n'importe quel endroit d'Algérie, vous ouvrez votre main, vous avez la lune qui est sur votre main, notamment quand vous allez dans le désert, c'est extraordinaire. Le soleil aussi. Mais en même temps, toute cette histoire, c'est une histoire toute tragique de bout en bout, depuis 2006 ans. Depuis ceux qui sont arrivés dans toutes les civilisations, les Phéniciens, les Romains, les Arabes, tout le monde est arrivé avec
avec l'épée. Personne n'est venu gentiment. Non. Tout le monde est venu pour prendre. Personne n'est venu pour offrir. Mais après, bien sûr, ils laissent de même. Ils ont laissé de même. Tous ont laissé de même. C'est ce qui constitue aujourd'hui ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, nous, Algériens, aujourd'hui. C'est cette richesse que nous avons. Mais c'est l'histoire. Parce qu'il y a précisément le soleil. C'est ce qui est extraordinaire sur cette terre. Moi, quand je suis jusqu'à ce jour, quand je suis à Alger, je suis en Algérie, n'importe où, mais en tout cas, quand je suis à Tipaza, je ressens cette sensation de bonheur. Mais tout de suite après, je ressens dans l'atmosphère, vous ressentez quelque chose de l'ordre de quelque chose de lourd, de dur, de violent. Comme ça, vous sentez l'air même est dur, est violent. Alors, les étés à Alger, c'est un enfer. Vous pouvez aller sur la plage, mais bien sûr, c'est magnifique sur la plage. C'est un enfer. Alors, je ne vous dis pas Oran, ma ville natale. Le soleil à Oran, c'est à un moment donné, vous avez l'impression qu'il s'est aplati sur le sol, et que vous n'êtes que poussière, vous n'existez plus. Vous êtes dans un état où vous n'êtes plus capable de réfléchir ni d'avancer. Il n'a pas été tendre avec Oran, d'ailleurs. Oui, il a corrigé. Parce qu'il a dit... Non, mais vous le dites, vous le citez, d'ailleurs, vous dites qu'à un moment, il avance... Je ne sais plus dans quel ouvrage, hein, d'ailleurs, le stigmatise c'est Oran. Dans carnets, c'est dans les carnets. C'est dans les carnets. Ouais. On s'attend à une ville ouverte sur la mer, lavée, rafraîchie par la brise du soir. Et mis à part le quartier espagnol et le nouveau boulevard Front de Mer... On trouve une cité qui présente dos à la mer, qui s'est construite en tournant sur elle-même à la façon d'un escargot. Oran est un grand mur circulaire et jaune recouvert d'un ciel dur. Il a corrigé par la suite. Il y a des choses formidables sur Oran. Après, il dit cité heureuse et réaliste bien plus tard. Voilà, bon. Parce que Emmanuel Robles est allé le voir avec les Oranais. Il lui dit tu ne peux pas parler comme ça sur les Oranais et sur Oran, quoi, soyons. Et il a corrigé par la suite. Bon. Dorénavant, Oran attend les touristes. C'est ce qu'il dit. Il n'a plus besoin d'écrivains. C'est terrible ce qu'il dit. Enfin, il nous fait un croche-pied. Mais c'est ça. Bon, c'est aussi l'opposition entre Oranais et Algérois, qui est de longue date. Mais non, mais en même temps, c'est très juste. Oran est une ville. Chaque fois que je vais, c'est ma ville natale. Je la connais. Écoutez, je la connais mètre par mètre. Je connais toutes ses ruelles, toutes ses impasses. Je connais tout. Toute cette terre, de cette ville. J'y suis né, j'ai grandi, je me suis blessé dans cette ville. J'ai tout connu. Et après, elle m'a tout pris, bien entendu. Mais ça, c'est une autre question. Elle m'a tout repris. Et elle m'a laissé, comme ça, sur le trottoir. Bien, mais c'est pas... Alors, j'avais dit que... Oran, c'est vrai que c'est une ville où, à un moment donné... Par exemple, en hiver, il fait toujours bon, il fait toujours beau. Mais quand il pleut, c'est quelque chose d'assez effrayant. Vous avez le ciel qui est, lui, le ciel qui entre dans un séisme, un vrai séisme dans le ciel. Vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, que vous allez mourir à la seconde, mais vraiment tout de suite. Et ça, c'est quelque chose d'assez très, très, très dur. Et son soleil aussi, en été, c'est pas possible. Vous devenez fou. En hiver, c'est magnifique, sauf quand le ciel est en colère. Et Oran a la particularité, effectivement, d'être construite sur un plateau. Elle a été construite en 903 par des marins andalous, au Xe siècle. Ils ont trouvé un plateau, c'est des falaises, Oran, des hautes falaises. Et les Espagnols arrivant là, ils ont trouvé un endroit où se poser, ils ont fait des entrepôts, et plus tard, la ville. Ils ont construit la ville. Et donc, ils ont construit la ville au bord de l'eau, au bord de la mer, et là, c'était un quartier espagnol qu'ils ont créé avec la pêcherie. Ils allaient pêcher. Puis après, Oran s'est transféré sur le plateau. Et sur ce plateau, qui est haut, il n'y a pas d'accès à la mer. Par exemple, quand vous êtes dans la ville d'Oran, de nulle part vous ne voyez la mer, sauf si vous êtes sur le boulevard Front de Mer qui donne sur le port. De nulle part vous voyez la mer, rien. De partout vous voyez la montagne de Santa Cruz, qu'on appelle Santa Cruz parce qu'il y a un fort espagnol construit là-bas depuis plus de 4 siècles. Et Oran, pour lui semblait qu'elle tournait
autour d'elle-même, effectivement. Mais pour un enfant d'Oran comme moi, elle ne tourne pas autour d'elle-même. C'est vrai qu'on ne s'y perd pas à Oran. Ce n'est pas une ville où on peut s'y perdre. On peut se perdre à Alger, on peut se perdre à Constantine, mais à Oran, on ne peut pas se perdre, parce que c'est tracé au cours d'eau, comme ça. C'est grand, c'est très étalé. Et puis vous voyez la cathédrale, donc vous pouvez vous orienter par rapport à la cathédrale, toujours. La cathédrale, c'est le point... ou alors Santa Cruz. Voilà ce que vous avez à Oran comme orientation jusqu'à aujourd'hui. Hein. Pourtant, c'est une ville immense, très étendue. Mais c'est une ville qui n'est pas moche, qui est très belle. Hein. Même s'il avait raison à ce moment-là, et même si moi, je ne trouve pas autant Alger, de charme. Il était algérois, donc effectivement, donc, il y avait manifestement un parti pris. Absolument. Oui. Est-ce qu'on, vous avez parlé de la pensée de Midi tout à l'heure. 2013, donc année Camus, c'est aussi, alors je ne sais pas s'il faut le voir justement comme une coïncidence, c'est aussi l'année de la création et de la mise en place du premier musée en France dédié aux civilisations et aux cultures de la Méditerranée. Le MUCEM à Marseille, oui, et qui a été donc directeur artistique, et Thierry Fabre, d'ailleurs. Et c'est lui qui a fait un travail sur la pensée de Midi et qui avait fait écrit un livre. Et oui, ce musée est extraordinaire, d'ailleurs. Est-ce qu'on doit cette mise en valeur, parce qu'on a mis du temps, hein. Il y a eu des expositions sur les Phéniciens, sur la circulation en Méditerranée, et ça existe. Mais est-ce qu'on doit finalement ce musée à cette pensée de Midi? Est-ce que c'est Camus qui, après coup, a permis de prendre conscience de la richesse, de toute l'universalité contenue dans la Méditerranée? Je crois que ceux qui ont réfléchi à cette idée par de musée, l'acte politique, à quoi ça, évidemment, l'acte politique qui concerne la France, hein, à toute la Méditerranée. Mais je crois que effectivement, dans l'esprit des gens qui ont pensé à ce musée, il y avait des gens qui sont fortement marqués par la pensée des camusiennes, qui ont participé au départ à ce projet-là. Alors, vous voyez, donc le projet a pris bout du temps. Mais ce n'est que, ce n'est que justice, non, c'est naturel qu'il y ait un musée civilisation européenne et méditerranéenne. D'ailleurs, la Constitution de l'Europe fait de tous les pays européens, vous savez, c'est un article de la Constitution, je ne me rappelle pas quel article, fait de tous les pays européens des pays riverains de la Méditerranée. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui n'a pas de frontière avec la Méditerranée, est un pays riverain de la Méditerranée de par la Constitution européenne. C'est assez important, ça. Et par exemple, si vous allez vous discuter avec les Danois, le Danemark a une politique vis-à-vis de la Méditerranée extrêmement importante, extrêmement forte, et qu'il y a des choses qui se développent entre le Danemark et la Méditerranée. C'est assez étonnant, le Danemark est éloigné. Mais parce que la Constitution européenne en fait des pays riverains, donc il y a une forte, forte attraction. Et forte, disons, par attraction, plutôt un travail très important qui est fait par les pays du Nord vis-à-vis de la Méditerranée. Mais je crois que c'est... Vous savez, quand on cherche, quand on travaille sur la Méditerranée, mais vous allez voir, mais facilement, mais rapidement, qu'il y a eu des transferts, il y a eu des emprunts, qu'il y a eu des choses qui nous ont traversées, et que... Quand on parle de l'Andalousie, mais il ne faut pas aller en Andalousie. Mais il faut aller au musée de Vienne, à Vienne, Kunsthistorisches Museum, comme ça. Kunsthistorisches Museum. Merci. Voilà. À Vienne, et vous allez voir le manteau du sacre de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, quand il était à Palerme. Il est un manteau extraordinaire exposé dans ce musée, il est écrit en lettres arabes. En bas. En lettres arabes. Il ne faut pas. Donc, quand vous allez prendre les documents sur Roger II, quand il était avant Frédéric II, qui était roi de Sicile, Roger II, vous savez comment il se faisait appeler ? Al-Mu'tazz Billah. Celui qui se glorifie de Dieu. Qui était chrétien. N'a rien à voir avec l'islam, mais se faisait appeler ainsi. On l'appelait Al-Mu'tazz Billah, Roger II de Sicile.
Quand Roger de Sicile, roi de Sicile, veut faire la géographie du monde, il demande à un musulman, son conseiller le plus proche, qui est musulman, et il l'envoie faire le tour du monde. Et nous avons, c'est Idrissi qui nous offre la première géographie, la cartographie du monde. C'est grâce à un musulman qui était dans la cour de Roger de Sicile. Donc, on peut aller, comme ça sur plein de choses. Vous allez, il y a des églises en France qui sont construites avec des techniques qui sont venues du Sud, qui sont venues de la culture arabo-musulmane. Et à l'inverse, vous allez dans les pays du Sud, de la Méditerranée, les pays arabo-musulmans, tous africains, et vous allez voir tout ce que l'Europe a transféré, a donné. C'est-à-dire que le processus de transmission est un processus complexe. Ce n'est pas vous me donnez la bouteille d'eau, je vous donne un bonbon, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça, c'est quelque chose de très complexe qui, avec le temps, va se faire et va en faire en sorte que ce qui était là va partir là-bas. Et à un moment donné, on va croire que ça s'est né là-bas. Une anecdote très simple. Enfant, ma mère me parlait en arabe algérien. J'ai grandi toujours avec des mots que je croyais que c'était la langue de ma mère maternelle. Et c'est quand j'ai grandi que je comprends que c'est de l'espagnol. Mais totalement. Des mots totalement espagnols. Ma mère, quand elle me disait « va prendre ta chemise et aller dans l'armoire », elle me dit « l'armario ». Et j'ai toujours cru que c'était un mot arabe. Et après, je découvre que toute ma langue est imprégnée d'espagnol, imprégnée de français, imprégnée un peu d'arabe, imprégnée de berbère. Donc voilà, et à l'inverse, on peut aller tout autour de la Méditerranée et voir tout ce qui a circulé entre les uns et les autres. Et c'est extraordinaire au niveau de la langue. Pas ça, vous prenez la langue espagnole, c'est les matinées de mot arabe, la langue française, le portugais, le maltais. Et puis à l'inverse aussi, il y a des mots de comment on appelait la lingua franca à l'époque. C'était la langue de la Méditerranée, hein, qui ont pénétré par la suite en langue arabe. Je m'égare un petit peu, mais bon. Non, mais d'abord, moi, j'apprends beaucoup de choses, et je pense au public également. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur ces relations, tout ça. Vous avez un exemple parmi d'autres, parce que le Sud n'a pas toujours été migrant. Le Sud a été le réceptacle de migration du Nord, hein. Vous avez au XVIIIe siècle, au XIXe siècle par exemple, il faut savoir que les colons en Algérie attendaient les barques des Espagnols qui arrivaient et les tuaient. La mer Méditerranée est pleine de morts. Lampedusa, Porto Palo, tout ça. C'est le sujet Mais c'est aussi des gens du Nord qui sont partis. C'est le sujet de votre dernier roman. Ils sont morts là-bas. Je remonte plus loin, au XIIIe siècle. On venait de France, d'Italie, étudier en Algérie. Il faut le savoir. Au XIIIe siècle, il y avait deux universités en Algérie. En 1962, il y en avait une. Bon, ça c'est autre chose. Mais deux universités. Celle de Tlemcen et celle de Béjaïa. Et qui vient étudier à Béjaïa? Enfant. Fibonacci. Qui, à Béjaïa, deviendra le plus grand mathématicien que l'histoire nous ait donné. C'est Fibonacci, il étudie à Béjaïa, en Algérie, l'Algérie d'aujourd'hui, et beaucoup d'autres. Quand vous prenez Maïmonide a circulé entre l'Andalousie, Fès, Tlemcen. Vous voyez donc que ça n'a pas été toujours dans le sens où j'ai faim, je vais vers le nord. C'est aussi dans l'autre sens, ça s'est fait, et que la Méditerranée, c'est ça, c'est un brassage de femmes et d'hommes et de cultures, c'est un brassage de rêves, un brassage d'ambition, un brassage aussi de tragédie, de souffrance. Et nous sommes tous les mêmes autour de cette mer. J'ajouterais que, d'un point de vue étymologique, c'est notre mère à tous. Absolument. Je vous remercie. Ça y est, on a terminé ? Oui, le temps est parti, c'est écoulé, mais peut-être que... Non, je voulais juste ajouter quelque chose, parce que c'est Camus, c'est important. Camus, on peut le décliner comme on veut, le philosophe, l'écrivain... l'homme du théâtre, le penseur et tout ça. Mais ce que je voudrais, moi, franchement,
Moi qui connais l'œuvre de Camus, qui ai travaillé sur Camus, et qui est, je me sens très, 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 très proche de lui. Hein. Ce que je voudrais vous dire, c'est retenez une chose de Camus, fondamentale. C'était un homme bon. Et aujourd'hui, dans ce monde trouble, dans ce monde brutal, où les femmes et les hommes meurent pour rien, ils meurent de soif ou de faim, ils meurent dans la Méditerranée, dans des paterasses, ou ils meurent parce qu'on les tue en Syrie, en Irak ou ailleurs. Aujourd'hui, nous avons besoin de voix, d'hommes et de femmes qui soient bons. Parce que nous, je crois que c'est important de regarder l'autre avec bonté et bienveillance. Ça semble ridicule quand je dis ça comme ça, mais je crois que c'est important. Regarder l'autre, non pas comme celui qui vient nous prendre le pain ou le croissant, je ne sais rien, mais qui vient nous enrichir, qui vient nous donner de lui-même. Parce que celui qui vient par bateau, harassé sur la côte, mais il n'est pas né de rien. Mais il n'est pas né de rien. Il a une histoire, il a une trajectoire, il a une manière, une vision du monde. Et quand on le recueille, quand on lui dit « repose-toi », tu es fatigué, repose-toi, après on verra. On lui donne un peu d'eau, un peu de pain. Vous savez, il va nous enrichir, il va nous donner. Il se souviendra de cela et il va nous donner. Il va nous donner de lui, de cette vision du monde, de son cœur, de son histoire. Il va nous offrir et il va nous permettre hein, de grandir. Vous l'avez compris, par le regard d'écrivain, nous avons aussi un grand humaniste et il faut l'écouter aussi. En ce sens. Donc, on peut peut-être profiter, voilà, vous êtes resté avec nous pendant cette bonne heure, et c'est peut-être le moment de prendre quelques questions. Daniel Maximin est resté avec nous aussi dans la salle. On n'a pas ménagé le moment pour les questions, donc c'est pareil, s'il y a des questions pour Daniel, nous les prenons volontiers. C'est la suggestion que j'aurais faite, parce que voilà. Vous pouvez peut-être quelques questions à Daniel, qui est un monsieur que je connais depuis hier, et Daniel que je connais depuis de très longtemps. Depuis avant-hier. Je crois qu'on a tout dit alors. Vous avez dit que le soleil de Camus était dur, mais Camus sans le soleil, c'est pas Camus. Mais bien sûr, mais bien sûr. Voyons. Mais bien entendu, mais c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce soleil, c'est le bonheur et en même temps la tragédie. C'est ça, hein, le soleil. Sur la terre méditerranéenne. Mais chez Camus, c'est pas le soleil. D'autres réactions? Ou alors tout le monde a faim? Et dans ce cas-là, vous pourrez retrouver. Daniel voulait ajouter quelque chose? J'ai pas de micro, j'ai pas de micro baladeur. Viens. Viens. C'était juste pour dire que mon enfance a été totalement, comme la tienne, prise par aussi Camus, l'étranger, et pour les raisons dites là, et qu'on voit bien un point commun, je vous disais, les quatre continents qui font les Antilles, et tu n'as pas arrêté de dire tout l'univers et le monde qui fait chaque endroit de la Méditerranée comme ça. Et ces deux exemples, il y a l'océan Indien aussi, qui est le troisième endroit comme ça de rencontre de tous les mondes. C'est forcément que ceux qui arrivent à dépasser toutes les coupures qu'on fait et qui les ont constituées, je répète ce que César appelle les débris de synthèse, forcément ça donne une espèce de puissance pour tout le monde, après vers les autres, et qu'on comprend, la semaine dernière il y avait sur Camus une émission sur Arte, où, qui était constituée de témoignages de gens de plein d'endroits, un chinois et de tout autre, qui expliquaient en quoi Camus avait été vital pour eux. Et on dit, mais pourquoi ce monsieur qui est là, voilà, et on dit que c'est l'écrivain le plus exporté, mais c'est parce que finalement, il est de partout. Et un peu comme Césaire, on le disait, mais c'est parce qu'il est de tous ces continents qu'il peut ensuite avoir une parole. Et je voulais citer une phrase que j'avais lue dans Camus et qui a marqué ma vie entière. Et c'est pour ça que je voulais absolument dire ça, parce que ça correspond tellement à cette question enfin, du soleil et de l'histoire. Et que le point commun très fort à ce moment-là, littérairement et philosophiquement, entre les Antilles et la Méditerranée, Camus et Césaire, c'est qu'il y a la nature.
le monde occidental a essayé de briser la nature, de lutter contre la nature, de dominer contre la nature. C'était ça le programme et le projet. Et que ce Sud, et notamment la Méditerranée, ont toujours su que la nature n'est pas un décor, mais que c'est un personnage central. Et c'est surprenant, je crois que la grandeur du succès, si je puis dire, de Camus, c'est parce qu'il est venu dire ça, au moment où on ne disait plus ça. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, au moment de Sartre. Vous voyez, on est entre nous, hommes, on a nos problèmes, on discute, on fait, c'est entre hommes que ça se passe. Regardez le théâtre de Sartre. Il y a quelqu'un qui vous dit, vous savez, il y a aussi le soleil, il y a aussi la nature, il y a aussi... Et quelque part, alors, cette puissance-là, il y a des peuples qui savent que c'est ça, parce qu'ils n'ont jamais dit que la nuit, c'est la nature, mais que nous devons être avec elle. Et c'est résumé par une phrase de ce Camus qui avait dit, et quand j'ai lu ça, je sais pas, 15 ans, il dit, mais voilà, c'est les Antilles, ça, c'est lui, il a compris ça. La misère m'empêcha de croire que tout est bon sous le soleil et dans l'histoire. Point. Le soleil m'a appris que l'histoire n'est pas tout. Voilà, cette phrase, elle dit l'homme sur terre en réalité. Et si on oublie les choses, c'est-à-dire on ne voit que la misère, ou si on ne voit que le soleil, on est dans quelque chose qui n'est pas là. Et c'est vrai que voilà. C'est pour ça que j'ai dit, mais c'est cette phrase de Camus, elle a été dans toute ma propre existence, une espèce de phrase comme ça, pour dire attention toujours, la misère m'empêcha de croire que tout est bien sous soleil. Et dans l'histoire, le soleil m'a appris que l'histoire n'est pas tout. On n'est pas seul. Merci pour cette comparaison, monsieur. Il y a personne qui veut ajouter quelque chose? Oui, en fait, j'ai écouté très attentivement. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le pessimisme en général de l'homme, c'est qu'il cherche à contrôler la nature. C'est pas que l'Occident. C'est pas que l'Occident, c'est toute la planète. C'est la définition de l'homme en général. Je pense pas. On voit partout où on va, on a en Chine, quel que soit l'endroit où on va, l'homme est en train de vouloir contrôler la nature et de la s'attacher. Oui, aujourd'hui. Voilà. Sur un modèle. Non, je ne suis pas pour accuser l'Occident. C'est presque comme un ADN. Mais parce que c'est devenu universel, là, cette idée-là. Voilà. Oui. Oui, mais tout à fait. Aujourd'hui, dans notre 21e siècle, et donc depuis le 20e siècle. Voilà. Depuis que l'homme est sorti des cavernes, il a cherché à dompter la nature. C'est pas forcément. Non, vraiment pas. Dans beaucoup de civilisations, y compris ici. Quand vous faites une roue, quand vous mettez des herbes sur la peau pour essayer de vous virer d'une impulsion, vous êtes en train de dompter la nature. Non, c'est être avec, c'est pas être soumis à la nature. C'est lutter avec elle. Vous parliez de contrôler la nature, j'ai quand même entendu. Oui. Donc c'est quelque chose qui est commun à l'humanité en entier, en général. L'homme est celui qui n'accepte pas d'être seulement dans la loi de la nature. C'est tout à fait juste. Après, c'est les degrés jusqu'où il va. Merci. Et en disant... C'est une histoire du décret à ce moment-là. Voilà. Qui n'est pas propre. Oui, mais c'est l'Europe qui a dit cette chose. L'objet de la réunion des hommes en société est de lutter contre la nature, Diderot et Descartes, nous pouvons nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Bien sûr, mais c'est une chose qui est quand même... Ah ben oui, après, tout le monde l'a fait. Et c'est notre problème au 21e siècle, par exemple. Dire, attention, mais elle existe, c'est pas à nous. Et c'est nous qui sommes des enfants d'elle, et que d'ailleurs, elle peut nous détruire si on ne fait pas attention. Mais c'est vrai qu'il y a des peuples... Enfin, il y a des peuples qui savent ça. Regardez, les horreurs ne sont pas qu'historiques. Quand on oublie, la nature vient nous dire « Attendez, moi je suis là, j'ai parlé de la montagne Pelée, les séismes... L'homme, il peut croire qu'il est le maître du monde, il y a des endroits, elle vient lui dire « Attention, regarde, moi je peux te faire disparaître. » Et quand on sait ça, eh bien on a une expérience, je dirais. Oui. Madame, vous voulez... Non, mais c'est vrai. Je pense que là, on sort un peu... Non, mais c'est le sujet. Oui. Je vais rebondir sur ce que dit madame. Voilà. Donc, vous écoutez. Oui, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que lorsque vous dites que au niveau des hommes à la limite préhistoriques, ou ceux qui ont commencé aussi à forger des outils ou autres, ce n'était pas une domination sur la nature. C'était, en fait, il y a une adaptation à la nature. Il fallait manger. Ils avaient aussi leurs propres croyances. Là, on rejoint aussi un peu les religions, enfin, je ne connais pas de la société. Ces gens-là, moi, je dirais que cette notion dont vous parlez,
pour moi, elle est purement occidentale. Purement occidentale ou peut-être au niveau des pays dits développés. Parce que finalement, toutes ces cultures, que l'on dit arriérées, que ce soit les Indiens d'Amazonie, ont détruit plein de choses. Ça, dans d'autres cultures, je l'ai vu en Australie aussi avec les aborigènes, qui ont une culture, eux, où finalement ils sont responsables. Ce ne sont pas des tribus. Pourquoi ils se sont complètement... Il n'y a pas eu de résistance. Parce que chacun, au moment de l'initiation de la puberté, quand il était en charge, quand il pouvait devenir adulte, il avait un territoire qu'il avait à entretenir, il avait ses sources, il avait ses cueillettes à faire. Donc les hommes, au départ, c'est par souci de se nourrir, ils sont allés à la chasse, ils ont eu l'idée de faire des outils, et moi je dis tout, mais sans pour autant nuire à la nature. La nature, ils l'ont conservée, la nature, ils l'ont respectée, et la nature, c'était c'était des animistes. Donc ils se devaient de respecter cette nature. Tandis qu'après, c'est quand les grandes civilisations... Je dirais quand les sociétés dites civilisées, quand il y a eu les... C'est l'impérialisme aussi qui a... L'impérialisme, voilà. Aussi en partie. Je dirais que moi, je m'insurge, enfin pas en faux, mais vrai, ça me fait réagir. Un autre écrivain qui veut réagir. À aucun moment, je n'ai parlé avec ni un aperçu moral, ni en si c'est bien ou pas bien. Ah non, je n'ai pas dit ça. Plus. J'ai juste signalé que le fait de contrecarrer... Tu veux parler? En rapport avec la nature, en se forgeant la nature autrement, tout ce que vous dites soutient ça, je suis désolée. Quand on laboure un champ, on intervient sur la nature. Là, je pense qu'on sort vraiment beaucoup trop de la thématique. Mamadou Ndongo, qui est écrivain également. Donc, la question que j'aurais aimé poser, excusez-moi de faire un saut dans non, non, mais c'est bien, ça nous ramène, je pense. C'est deux questions, c'est à propos d'Albert Camus et d'Aimé Césaire. Césaire à propos de la guerre d'Algérie. Et la relation qu'a pu entretenir Camus et Césaire. C'est une question à vous deux. Encore une fois, tu auras plein de choses terrifiantes. Camus est mort en 60. Donc, pour vous dialoguer, se connaître, vous voyez tout ce que Césaire a fait entre 60 et 2008. Bah, on se dit, s'il était mort en 60, on avait cadastre et ferment. C'est terrifiant. Donc, quand on parle de Camus, il faut toujours qu'on se rappelle cette chose-là. Et quant à Césaire, était évidemment quelqu'un d'engagé dans la décolonisation. Lui et sa génération, les Décopins, les autres, présence africaine a été plastiquée par l'OAS, la librairie qui est toujours là, c'est un exemple. Mais parce que c'était leur nature. D'ailleurs, hein. Ah oui, pratiquement son ouverture, puisque c'était en 62, et c'était la fin, et il y avait les attentats de l'OAS à Paris qui sont venus à ce moment-là. Et Césaire, mais toujours dans la même discrétion, les gens qui ne crient pas ce qu'ils font sous les toits, notamment tout ce qui était les porteurs de valises, personne ne sait qui ils sont, sauf évidemment ceux qu'on a trouvés ou arrêtés, mais qui ne se vantaient pas en quelque sorte, et qui aidaient. Et qui était évidemment solidaire de la lutte de libération de l'ensemble des colonies. Donc c'était presque logique. L'âge de la décolonisation est venu porté par tous ces jeunes qui étaient colonisés, qui ont participé à la libération du monde dans la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les colonies ont été du côté de... Et ça, c'est très, très important à dire pour comprendre, comme tu dis, mais pourquoi on se sent si proche, qu'est-ce que Fanon fait en Algérie. Mais parce que c'était exactement la même chose. Quand ce petit jeune homme de 16 ans, il n'était même pas élève du lycée, puisqu'il était trop petit, il avait 14 à ce moment-là, par libérer le monde, il obéit au truc, là, nous sommes de ceux, le monde a besoin de nous aussi. Vous avez un petit jeune homme en Martinique, il faut savoir, la Martinique, c'est pas comme aujourd'hui, les avions, c'est loin, on sait, l'Allemagne, c'est quoi, vous voyez, c'est loin, c'est des choses comme ça. Et il dit, je vais aller aider, et donc il suffit d'une nuit de traverser 3 heures le petit canot, mais il faut payer donc on vole les trucs de papa. Et on le retrouve après, vous voyez, en Algérie. Mais par hasard aussi, il était psychiatre, il cherche un poste. Évidemment, il n'y en a qu'un en Guadeloupe comme chef de service, parce qu'il n'y a qu'un hôpital, il peut pas, en Martinique, il ne peut pas y aller. On dit, vous savez, il y a un truc à Blida, il ne sait pas où c'est. C'est ça qu'il faut dire, pour parler de ces solidarités universelles. Et donc, il se retrouve là, et là, il voit des différences, des distinctions, il prend sa propre conscience, et il dit à Césaire, en venant en 1956 à un congrès, tu sais, je vais
démissionner, parce que ça ne peut pas aller comme ça, et je vais aller travailler avec... Et il devient quoi? Le directeur du journal El Moudjahid en Tunisie. Un psychiatre martiniquais noir. Vous voyez, c'est ça. Et donc, pour répondre clairement sur Césaire et présence africaine de cette équipe, ils étaient évidemment partie prenante de ces libérations, comme ils l'étaient de l'ensemble. Mais toujours avec une idée, ça c'est clair, ça n'est pas l'homme contre l'homme, c'est pas blanc contre noir, c'est pas arabe contre français, c'est pas pied noir contre arabe, etc. Parce qu'ils connaissent cette histoire-là, et ce drame qu'a vécu Camus, eux le ressentent aussi de la même manière, parce qu'ils savent que si l'homme n'essaie pas de faire la synthèse de tous les débris qu'ils ont fabriqués, il peut être très facilement, finalement, à être de seul côté. Mais dans l'urgence d'ajouter quelque chose. Oui, bien sûr, quitte à fâcher M. Bertri, qui semble ça, un adepte inconditionnel d'Albert Camus, est-ce que Albert Camus n'est pas, quelque part, passé complètement à côté de ce mouvement magnifique que vous venez de décrire? Moi, c'est celui qui... Et alors, pour le coup, pour rebondir sur la question du jeune homme à ma droite, alors, Césaire, c'est sûr que là, il y a un problème de chronologie, mais avec Fanon qui arrive en 56 à Blida, est-ce que Camus s'est intéressé à Frantz Fanon? Ben, il ne sait pas qui c'est. Mais Fanon. 60, et c'est un problème chronologique là. Hein. Il meurt en 60. Il s'active, ouais. Fanon, il est dans les réseaux, etc. Et Camus, il est pas du tout dans ces réseaux. Ah, ben oui, bien sûr. Complètement à côté du truc. Alors, pardon. Non, juste préciser, il ne connaît pas, il n'a pas connu Fanon, mais il a connu les dirigeants du FLN. C'était ses amis. À Paris, quand la police recherche les jeunes gars du FLN pour les mettre en prison, il donne la clé de son appartement au responsable du FLN, ceux avec qui il n'est pas d'accord. Et il l'a exprimé. Et donc, nous sommes dans quelque chose d'autre. Jean Sénac s'engage avec la Révolution algérienne, avec le FLN. Mais Camus le reçoit quand il vient à Paris. Mais c'est qui donne l'argent à Jean Sénac? C'est Camus qui le fait vivre. Mais il dit... Absolument. Oui, il y a des documents qui existent. C'est Sénat qui le dit. C'est quand même dommage que Camus soit passé à côté d'un... Il ne l'a pas connu. Et puis en plus, Camus était en France à ce moment-là. Il faisait de temps en temps, il venait voir sa mère à Oran, ou alors à Alger, il passait. Mais il ne connaissait pas à Bellecour, sa belle famille à Oran. Mais il ne l'a pas connu. Et... Alors, peut-être qu'il aurait pu le connaître, mais il connaissait d'autres militants du FLN et des responsables, de hauts responsables du FLN, qu'il a connus personnellement, qui étaient ses amis. Voilà. Mais ça me plaît, moi, cette histoire de Frantz Fanon. J'ai envie de juste dire... Vas-y. De dire un mot sur Frantz Fanon. Frantz Fanon, pour moi, a été tué une deuxième fois avec la préface de Sartre, oui. Dans les derniers de la Terre. Oui. Parce que moi, j'ai redécouvert Fanon quand je l'ai relu sans la préface. Et j'ai trouvé des choses extraordinaires chez Fanon. Fanon, il faut le relire. Il faut jeter cette préface violente, insupportable de Sartre. Parce que il me revient une phrase de Frantz Fanon qui veut tout dire. D'ailleurs, il disait, le peuple français n'importe. Mais il y a une phrase qui disait, il y a de part et d'autre du monde des hommes qui se cherchent.